Allez, jingle avant le départ. Allez, c'est parti. Ouais, impeccable départ de Bokolachi. Marteau derrière, pas de problème. Bokolachi, Gerbezon, Margot Lafitte. Margot a un peu hésité à partir, mais finalement elle conserve la troisième place. Oh, avec l'attaque, et ça se pousse. Ouais, Gerbezon qui a poussé Bokolachi. Ah oui, il a ouais, Margot Lafitte à l'extérieur, elle est en difficulté, Margot. Il a décidé de taper fort l'ami Gerbezon. Bokolachi a intérêt à prendre le large. Bah, c'est ce qu'il fait. En train de faire, c'est ce qu'il fait. J'ai peur pour Margot Lafitte, mais ça va, elle est toujours en troisième position. Ouais. Allez, le premier virage du bas, Bokolachi, Gerbezon, Margot Lafitte et Daciano. Et finalement, dans le contact entre Bokolachi et Gerbezon, c'est Gerbezon qui a le plus perdu de temps. Hein. Ouais, ouais, absolument. Il a essayé. Premier tour et plus que 5 tours à tenir pour Bokolachi. Ah, il a déjà 3 secondes d'avance presque, hein, c'est incroyable. Oh, petite touchette de Louis Gerbezon. Alors on n'a pas vu, c'est dommage, on n'a pas la réalisation qui n'est pas filmée. Si, voilà, ça y est, on avait perdu Louis Gerbezon. On l'a retrouvé, oui, mais il a perdu un peu de temps là. Ouais. Ah mais il a pris des risques dès le départ, de toute façon il a un peu intérêt à attaquer, c'est aussi un peu dans son tempérament, alors que Bokolachi est sécure devant et que Margot Lafitte va essayer d'assurer un podium. Ouais, les trois premiers là sont relativement tranquilles, hein. Il n'y a pas trop de bagarre là, Daziano pareil. On va regarder un peu, oui la bagarre est entre Pussier, voilà, Pussier Vantaggia, alors c'est les deux voitures de la même équipe. C'est un peu la marque de fabrique de ce circuit. Hein. Généralement, ouais. Quand tu prends l'avantage dans le premier tour... Hop là. Et Margot qui a vraiment des difficultés, qui est parti à la faute. Oui, qui a fait bouchonner tout le monde derrière. Ouais. Elle conserve sa troisième place, mais Margot en difficulté. C'est la place de la Concorde avec un rond-point de gilet jaune. Ouais, petite touchette de Bokolachi. Attention, rien de grave. Non, et il était trop loin, Gerbezon. Louis Gerbezon trop loin pour revenir sur Bokolachi pour l'instant. Ouais, quand même 4 secondes d'écart toujours. Eh oui. Alors attention derrière parce que ça klaxonne derrière Margot Lafitte. Ouais, elle bouchonne beaucoup. Ouais, elle est en difficulté Margot là. Elle est toujours là, c'est bon, ça tient Daziano. Mussier, Vantaggia. Redire vraiment que c'est très complexe de doubler ici. C'est pourquoi il peut y avoir des regroupements comme ça sans que cela change vraiment l'ordonnancement du peloton. Mais chacun connaît la spécificité de ce circuit. Ouais. Et en plus, la grande descente favorise les écarts. C'est après l'épingle du haut que Bokolachi a creusé son écart. Sur Louis Gerbezon. Ah, presque 6 secondes, incroyable. Hein. Il met 2 secondes, autour à tout le monde. Hein, Bokolachi, c'est terrible. Ah, il y a vraiment lui et les autres. Il n'y a rien à faire. En plus, il passe propre, comme dit Louis Gerbezon. Ah, il y a juste une petite alerte. On va essayer de la queue. La queue de Louis. Aïe, il va partir. Oui. C'est bon, heureusement qu'il y avait de l'avance. Et heureusement que Margot est très très loin. Tout à l'heure, c'est Margot Lafitte qui a fait la petite bêtise, et là, c'est Louis Gerbezon au même endroit dans l'épingle du haut. Ouais. En envoyant trop la voiture. Ouais. Ah oui, ben, c'est devenu un classique, cette figure. Dernier tour. Oh, c'est Bokolachi, vraiment quelque chose de plus. Il est intenable. Il est intenable. C'est incroyable. Maintenant, il y a 12 secondes d'avance, évidemment, avec l'erreur de Louis. Ça fait 12 secondes de tour, et c'est absolument colossal. Ai-je besoin de préciser qu'il a évidemment le record du tour? Oui. Non. Ça fait toujours un point de plus. Et Margot tient bon devant Lionel Daziano. Important pour Margot, hein, pour construire ce podium. Ouais.
Alors, un Bocconacci, deux probablement Servozzo et trois probablement Margot Laffitte. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre de la grille. Ouais, on a conservé la hiérarchie de départ et c'est fait. Voilà la victoire de Bocconacci. Une de plus. La cinquième de suite, non? Et une de plus pour Bocconacci. Oui, bon. Écoute. Oui, Gervozzo. Oh, ça a été chaud, mais il termine deuxième. Et Margot qui a contenu le peloton. Après l'avoir bien ralenti. Ouais. Va terminer sur le podium. Elle aura bien cassé les pieds. Voilà, allez. Daziano, Pucier, Vantaggia, Modèle, Lopez, voilà, Bacudo. On a pas changé hein, dans cette finale, mais il y a eu des moments chauds. Eh bien bravo à Damien Bocconacci, qui encore une fois nous fait la totale. Tout. Les essais, les manches qualifs, la finale et le record du tour.